faire une toute petite dédicace hein, à tous les pays qui nous suivent d'ailleurs, parce qu'on reçoit, c'est vrai qu'on reçoit plein de messages tout le temps. Donc ceux du Niger, Togo, Burkina, Cameroun, Guinée, Mali, Sénégal, etc., etc. On fait plein de bisous et bien sûr à la Côte d'Ivoire. Donc plein de bisous à vous, on vous adore, on vous aime. On vous donc continuez aime. De nous envoyer plein de messages comme ça, on les lira. Et puis un grand merci encore. Donc voilà, un nouveau numéro du club. Donc qui dit nouveau numéro dit nouveau thème. Donc aujourd'hui, ça sera un thème assez spécial. On va le découvrir tout à l'heure parce que vous avez aimé la partie 1. Et cette fois-ci, c'est la partie 2. Mais avant cela, j'aimerais bien saluer hein, mes CP aujourd'hui. Donc Esther et Niki Niki. Nagadaf, waouh. Merci mes potos du club. Je suis Niki, votre apoutou. Je suis Chris, elle est la fille du peuple. Et aujourd'hui, The White Woman. Pour franchement, Niki, on a dit salutations aujourd'hui. Tu es belle comme oh, ça. Oh, thank you, Ayete. J'adore. Quand tu me dis ça, j'aime je bien. Respire plus. Comment rivaliser Esther avec ça? Bonsoir, hello tout le monde. Je suis Esther, votre skinny apoutou. Caramélisée. Ça va bien, Antonella. Et toi donc? Super bien. Moi, tant que je suis avec vous, moi, ça va. Oui. Oh, mais tu es en beauté aujourd'hui. Hein. Merci, en tout cas, pas beauté. Plus que toi. J'ai dit, est-ce que tu as beauté aujourd'hui, Avadja? Oui, tu sais. Ça a vu, hein. Je vois le truc. Oui, le petit ventre. Oui, le petit ventre. Petit sexy mini. Ça, on dit, comme on ne peut pas nous comprendre là. Moi-même, là, c'est pour ça que j'ai porté cette tenue-là, parce que moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai une histoire à raconter. D'accord. Il était une fois une intrusion sur ce plateau, alors que tout va bien. Deux hommes, ils sont venus ici sur ce plateau et qu'est-ce qu'ils racontaient? Ils ont tout mélangé, ils ont posé des questions bizarres. Pour essayer de nous faire croire que nous sommes incompréhensibles. Exactement, parce que selon eux, ils cherchaient à nous comprendre. Résultat? Ils n'ont rien compris. Rien, parce que tout est déjà clair normalement. Mais bon, il y en a un autre qui se jette à l'eau. Il dit, il vient. Et lui, il utilise une autre formule. Selon lui, il va chercher plutôt à savoir ce que veulent les femmes. Ce que veulent les femmes, mec? À quoi je veux savoir? D'accord, on t'attend. Et c'est notre poteau Jean-Marc Seca! Suivez le journal de demain pour avoir l'information. Jean-Marc, il aime trop faire le beau. Alors, bonsoir notre Esther. Photo. Ça va bien? Non, ça va. Bonsoir les filles. Bonsoir Jean-Marc. Moi, j'aimerais bien merci que tu de prennes me recevoir. Juste ma place. Ah ouais? Ouais, comme ça, tu domines un peu le plateau aujourd'hui, vu que t'es l'homme. Après, on va se plaindre que les hommes n'aiment pas diriger. Je voulais te dire, on est là. Il y a des gens, on leur donne pas pouvoir. De la manière, je vois le monsieur là. Je sais que si on leur donne le pouvoir, ils sont des foutus. Ah, écoute, moral, au bec, on lui. On peut pas te donner la place un peu seulement. Ah tu prends. Genre, tu te mets à l'aise. Là, tu as vu ce que tu as créé. J'aurais pas dû. Bon, alors. Très bien. Chez nous, au village, oui. On reçoit un étranger comme ça. On lui demande. J'ai oublié comment on demande ça dans ma langue. Donc, traduction. Attends, il a demandé un dita. Ato, Ekoda. Ça va nouvelle. D'accord. Bona. Je ne pourrais pas répondre en dida, mais je vais dire, il n'y a rien de grave. Comme j'ai entendu dire que deux de mes amis étaient invités sur ce plateau et qu'ils ont subi la fureur des dames ici. J'adore. Je ne sais pas d'où. Je me suis dit, après réflexion, Jean-Marc, peut-être que si tu utilises une autre approche, tu seras plus en mesure d'en sortir avec quelque chose qui pourra servir vraiment, j'ai envie de dire, à toute l'humanité, parce qu'il y a des siècles et des siècles que les hommes cherchent à comprendre ce que veulent les femmes. C'est le problème, finalement. On a hâte d'entendre ça. Hein. On va en discuter et puis on saura. Nous sommes rentrés dans une autre étape de la langue de Molière. Puisque nous sommes à des siècles et des siècles. Ça nous dépasse. Et moi, je retourne à mon dictionnaire. Franchement. Donc, il faut que, excusez-moi, mes CP, mes potos du club, que je dépose un peu la Niki du peuple. Il faut que je soulève la Niki intellectuelle. Oui, Jean-Marc Chou, nous t'écoutons. Je disais donc, oui. Non, d'une façon plus abordable, voilà, je veux dire, c'est un sujet qui passionne les hommes, des générations d'hommes depuis des siècles. Exact. Voilà. Il est important de pouvoir avoir la perception des femmes d'aujourd'hui. Peut-être que ça a évolué, peut-être que ça a changé, ou peut-être que nous sommes toujours dans le même noir, dans le même, j'allais dire, obscur. Donc, on Et va ce en sont débattre. Les femmes qui vous ont mis dans ce noir-là. On arrive, ne soyez pas pressés, gentille dame. On est braqué, on commence à se braquer. Non, pas du tout.
Soyez posés. Quand c'est bon, c'est bon. Tranquille. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions à nous poser? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intrigue, que tu aimerais savoir? Il y a foultitude de questions. On pourrait résumer par que veulent les femmes. Okay. Mais on va essayer d'y aller peut-être catégorie par catégorie. Expliquez-nous pourquoi est-ce que quand vous êtes jeune, vous voulez vous vieillir et quand vous êtes plus âgé, vous cherchez à vous rajeunir. Alors franchement, pour être honnête, c'est la première fois que je viens de réaliser que ce qu'il vient de dire là, c'est la vérité. Mais attendez, j'ai sa réponse. C'est incroyable. Tu sais, Jean-Marc, ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes, quand elles sont jeunes, elles s'ennuient tellement qu'elles ont envie de vieillir. Tu vois, parce que quand tu es jeune, il y a beaucoup de restrictions. Si tu as des parents qui sont stricts, au fait, tu as l'impression que tu es comme un oiseau qui est dans une cage, qui ne peut pas sortir de la cage. Et tu te dis que c'est à l'âge adulte que tu pourras déployer tes ailes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. C'est essentiel, général, ça? Oui, parce qu'en fait, quand tu es trop jeune, étant une femme, comme elle l'a dit, tu es cloisonnée. Donc là, tu as la recherche d'une certaine liberté. Voilà. Donc, tu vises l'âge supérieur. Oui. Tu te dis, ah, bon. Moi, je veux faire comme une grande dame et tout, comme ça, je vais pouvoir fréquenter des personnes adultes, ceci, voilà. Cela. Maintenant, quand tu arrives là-bas, je donne la deuxième. Tu veux retourner d'où tu viens. Oui, voilà. Vas-y, je donne le deuxième volet. Quand tu arrives à l'âge adulte et que tu atteins le vieillissement, en fait, tu te sens comme une fleur qui a fané, tu vois. C'est la société surtout. Tu vois que ton éclat n'est plus aussi éclatant. Tu vois que c'est général. Donc, du coup, tu as envie de revenir dans tes mémoires, de retourner dans le passé, à l'âge où tu étais encore une belle fleur, tu vois. C'est pour ça qu'on se... Mais est-ce que vous, les hommes, c'est pas pareil aussi? Non, je ne pense pas. Parce que vous avez envie de vieillir. Je ne pense pas. L'homme, d'habitude, il se bonifie avec l'âge. Et plus il vieillit, plus son pouvoir à plusieurs niveaux augmente. Okay. Il a plus de sagesse, il a plus d'expérience, il a souvent plus de moyens. On dit souvent qu'un homme qui a même passé la quarantaine peut avoir une copine de 20 ans. Ce qui n'est pas toujours évident pour une femme qui a passé la quarantaine d'avoir un jeuneau de 25 ans. Attention, hormis, les choses ont changé. Ce qui n'est pas toujours évident, j'ai dit. Oui, oui. Hormis le regard de la société. Si on fait abstraction de ça, c'est pas aussi évident. C'est clair, en effet. Voilà. Et on parle des hommes de 40 à 50 ans qui ont toujours la maturité de jeune homme de 15 ans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Est-ce qu'on en parle? Oui, on peut en parler. En fait, vous, votre problème, pourquoi il y a, je sais pas moi, ce gap-là? Pendant des années, vous ne cherchez pas à vieillir parce que vous-même, vous êtes dans un esprit enfant, vous évoluez comme ça. C'est-à-dire, l'homme, il a 10 ans, il se plaît dans son âge. Ah oui, je vais profiter pour jouer un peu. Il a 20 ans, il veut jouer un peu. Et ça, maintenant, c'est avec les femmes. Il a 30 ans, pareil. Et puis un matin, il se réveille, il se dit, bon, pour certains, ah mon Dieu, il faut que je puisse faire deux ou trois choses pour me sentir accompli. Et c'est à ce moment-là qu'il cherche à être plus vieux. Et ça commence à lui plaire. Plus il prend de l'âge, ça lui plaît. Donc, c'est pour ça que vous évoluez. Enfin, vous pensez évoluer avec votre espace, avec le temps. Donc, en fait, à un moment, vous stagnez dans votre mentalité. Et c'est au bout d'un temps que vous suivez le cours des choses. Je ne suis pas d'accord avec le raisonnement d'Esther. Le raisonnement d'Esther, merci. En fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que l'homme grandit avec le poids des responsabilités qu'il aura tout au long de sa vie. Dès qu'il grandit, on commence à lui dire déjà, tu es un garçon, tu ne pleures pas. On commence à lui dire, tu es un garçon, tu dois t'occuper de ta femme. Il incite à pleurer. Non. Plus que norme. Non, non, il n'insiste pas à pleurer. Façon de parler pour dire qu'il reste enfant dans sa tête. En quoi? Peut-être qu'il y a une partie d'enfant qui reste parce que quelque part, très tôt, il n'en a peut-être pas profité comme il voudrait. Peut-être comme ses sœurs en ont profité. Peut-être. Peut-être. Après, c'est de la psychologie. Okay. Voilà. C'est de la pression. Okay. On vit avec cette pression-là constamment. Tu ne peux pas exprimer tes émotions comme tu le veux. Tu dois faire face à la pression sociale de tu es l'homme, tu dois pourvoir. Tu es l'homme de la famille. Donc parfois, faut que tu... parfois, le fait qu'un homme ne soit pas en mesure de pourvoir, c'est une peine qu'il vit, mais qu'il ne peut même pas exprimer. Il ne peut pas la vivre totalement parce que... Parce qu'il doit être fort. Oui, et puis s'il n'y arrive pas, c'est de sa faute. On va entrer dans des considérations qui sortent un peu de l'ordre physique. Parler. Je veux dire, cette... le fait que l'homme soit le chef, c'est
écrit dans des livres. Saints, hein. C'est de là-bas que ça vient. Hein. Nick, sinon, il n'a pas aimé. Il y a des cultures où, bon, les femmes sont chefs. Il y en a, hein, mais sinon, ça vient des livres saints. En sachant que ça a été donc, institué par Dieu, donc, qui est la sagesse suprême. Hey, là, ça va dans un si il y a deux éléments, là, il a regardé et il a pris celui que vous trouvez comme étant sans doute le moins qualifié pour être le chef, il y a sans doute une raison. On ne va pas en discuter parce qu'il s'agit de Dieu. Mais il y a une raison. La sagesse suprême, c'est lui. S'il a fait son choix, c'est que le choix, normalement, ne souffre d'aucune discussion. Je t'avoue que tu n'ailles loin. Tu moi et Dieu, tu Dieu. Nous arrêtes. Non, je vous arrête. Tu as parlé de Dieu. Oui. OK. Tu dis que l'homme est le chef suprême et tout. Il a la non, sagesse. Non, jamais suprême. Non, le chef oui. Il a la sagesse. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit Dieu a la sagesse, Dieu l'a choisi. Il y a une raison. Ah, d'accord. Parce que j'ai cru entendre que Dieu a la sagesse. L'homme a la sagesse. C'est d'en discuter. Dire, tout simplement. Mais je veux dire, si on parle de Dieu, donc de la connaissance suprême, il y a quelque chose qu'il a vu ou qu'il a mis en l'homme. C'est pour ça qu'il lui a donné cette responsabilité. C'est vrai, c'est pour ça qu'il lui a donné une femme à côté qui est tirée de sa côte, qui est son aide. Parce que nous, les femmes, là, nous voyons plus loin que vous, les hommes. N'est-ce pas? Nous sommes de bonnes conseillères. Oui. Et tout. Et ça, donc ça veut dire que sans pour nous, ça. Voilà. Merci. Ça veut dire que applaudissez, sans nous, applaudissez, vous n'êtes rien. Applaudissez. Alors, puis, pour faire un parallèle. Attends, je te propose quelque chose. Oui, propose. On va regarder une petite vidéo, d'accord. Puis on va revenir. Ah, d'accord. Sinon, je suis chaud. Mesdames, envoyez cette vidéo à votre petit ami. Il ne vous dira pas qu'il ne savait pas 12 choses qu'une fille veut de son homme, mais ne le demandera pas. Des messages le matin et la nuit avant de dormir. Des photos prises ensemble. Des surprises, surtout les plus petites. Des visites en apportant son repas préféré. Un sweat à capuche avec ton odeur dessus. De très longs câlins, de danses lentes et de sincères compliments. Lui dire combien tu l'aimes. De vraies conversations profondes. Des conversations absurdes et drôles aussi. Du réconfort et de la patience, surtout quand elle en a le plus besoin. Ah, c'est la vérité, c'est ce qu'on veut. Les filles, en voilà un au moins qui s'intéresse réellement à ce que veulent les femmes et non dans une forme de, je sais pas, révolution. Non. Parce que tu es venue, Poto, en disant que tu veux savoir ce qu'on veut. Mais depuis, oui. Là, tu es en train de nous imposer plutôt ce que toi, tu as comme importance dans ce monde. Moi, ah bon, hein, non. C'est quoi toi, ton idée à toi? C'est quoi de quoi idée? Oui, de ce que veulent les femmes. Exactement. Je peux résumer ça en une chose. Oui. Les femmes aimeraient que l'homme soit en mesure de décrypter son intellect, sa pensée, sans qu'elle n'ait à ouvrir la bouche. Ah non, mais il ne faut pas abuser non plus. Les 12 points qu'il vient de donner, là, c'est des choses... Mais il a dit, c'est les choses qu'elles veulent, mais qu'elles ne te demanderont pas. Dans, en d'autres termes... Mais tu es censé savoir ça. Et comment? Tu es censé savoir dans ça. Dans les débuts, elle communiquait. Elle t'a montré, enfin, elle t'a orienté. Oui. Donc, pourquoi chaque jour, on doit vous faire un rappel? C'est ça non, le problème. Non, elle ne nous a pas forcément orienté. Mais même si elle nous avait orienté, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire, on est différents. L'homme est séquentiel, la femme est multitâche, enfin, en théorie. Après, dans la pratique, il arrive de voir des femmes qui sont très séquentielles. Mmh. Voilà. C'est la donc, vie qui nous a... L'homme fait une chose à la fois et bien. Et quand il est dedans, il est concentré. Tu peux difficilement l'enlever de ça pour lui demander de faire deux, trois choses en même temps. Ça, c'est sa force. La femme peut faire plusieurs choses en même temps. On pourrait dire comme ça de prime abord, « Ah, mais donc c'est que la femme est plus qualifiée que l'homme. » Pas forcément. Parce que quand l'homme est focalisé sur quelque chose, il fait quelque chose bien. Quand elle est focalisée sur plein de choses, elle ne fait pas ça bien. Non, il y en a qui sont formidables. Elle regarde la télé, en même temps, elle a la nourriture la au feu et elle s'occupe de la petite fille sans brûler la nourriture. Si, si. C'est-à-dire, le gars, il pense qu'il a trouvé, il pense qu'il a compris. Enfin, Eureka, je suis l'homme qui a compris sa femme. Un hors-piste terrible, pour ne pas dire un poteau de la mort. Le gars est persuadé, il dit à son ami même. Non, elle l'a joué au fait, elle, tu vas voir, non, ça va la tuer, parce que la dernière fois, elle a parlé de ceci, cela. Non, en fait, elle voulait ça, mais tu vois, non, tu as emmené la montre avec le bracelet blanc, oui, elle aime bien, mais il fallait que la boucle soit rose, ça, tu n'as pas... Parce qu'à un moment, mais j'ai... Mais tu sais que c'est sa couleur préférée qui est rose, non? Ça sent le vécu, là. Mais c'est-à-dire... On lui a fait ça. Et là, le monde s'effondre, parce que le... Là, ça partait d'une bonne intention. Très bonne intention. Et l'homme à la place de la femme, voilà ce qu'il va faire. Quand elle va emmener la chaussure qu'il attend. Mais pas à la bonne couleur. Avec la bonne patine en haut. Mais en bas, il voulait une semelle d'une certaine couleur. Quand il va dire, oh, mais c'est tellement joli. Il ne va pas parler de la couleur. Mais pourquoi il va pas parler? Il sera frustré. Non, non, en fait, il est plus... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre beaucoup plus tard pour lui dire, tu sais, j'ai une préférence pour les semelles de couleur rouge. Tu sais ça, non?
C'est un truc, ça tue. C'est un petit signe, quoi. Un petit signe, mais au moins 3 semaines après. La femme sur place, c'est-à-dire le visage qui est comme ça devant la le paquet. Femme est dès qu'elle l'ouvre. Est-ce que tu penses que c'est toutes les femmes qui sont pareilles? Heureusement que non. Heureusement que non. Mais en même temps, on sait, tu sais, beaucoup de gens disent le foyer tient grâce à la femme. Moi, je pense que le foyer tient grâce à la capacité à absorber aussi d'un homme. Parce que si tu n'es pas capable de te mettre au-dessus de ce que la femme dit et que tu trouves parfois incompréhensible, des fois, j'ai failli dire saugrenu. Français, c'est nous maintenant. J'ai dit. La prochaine édition du 13h. Parce que lui, il me traumatise. Des choses vraiment superficielles. Parfois, on trouve que c'est superficiel. Si tu arrives à te mettre au-dessus de certaines réactions. Et c'est pas facile. Et ce n'est pas toujours évident. Vous n'aimez pas ce genre de comparaison, mais à la vérité, nous, pour pouvoir passer, on se dit très souvent, il faut l'apprendre comme un enfant. La même réaction que tu aurais face à... Oui, je savais. La même réaction que tu aurais face à un enfant de 10 ans, c'est pas trop de sa faute, c'est pas grave, prends-le comme ça. C'est comme ça qu'on essaie de se formater et pour se dire, faut pas trop tenir compte des réactions qu'elle a, mets-toi au-dessus et puis regarde autre chose en te disant, en te disant que sa réaction part d'un bon sentiment. C'est vrai, et c'est bien parce qu'il ne faut pas qu'on se mente aussi, on a beaucoup de caprices. Merci de reconnaître. L'émission est terminée, elle a reconnu, les femmes ont beaucoup de caprices. Non, de caprices. C'est pas terminé, attends. Je dis, SCP, nous-mêmes là, on veut quoi? Telle est la question du jour. On veut quoi, Antonella? Qu'est-ce que tu veux là? Alors moi, sincèrement, enfin... Je veux quoi? D'un homme ou d'un homme, oui. Non, d'un homme. Qu'est-ce que tu attends? Moi, c'est le respect. Déjà, c'est le respect, c'est la base. C'est suffisant. Voilà, c'est largement suffisant. Je me dis, s'il me respecte, on pourra tout gérer ensemble. D'accord. Et toi, est-ce toujours bon, c'est un peu frustrant quand elle donne un élément pendant que j'en ai 10. On a la pizza. Vas-y, on t'écoute alors. On a la pizza. Comment je gère ton temps? On a la pizza. Respect. Mm-hmm. Amour. Mm-hmm. Assistance. Mm-hmm. Un ami. Mm-hmm. Quelqu'un avec qui je pourrais... c'est-à-dire un référent. Quelqu'un qui m'aide à évoluer, je parle de conseils, je parle de tout. Quelqu'un qui est à l'écoute, qui est attentionné, donc prévenant également. La feuille est finie. Il y a Non, je veux quelqu'un qui est doux, qui est intelligent et... le référent à la tête sur les épaules, je suppose. Et donc, c'est plus ou moins ça. Mmh. Mais qui saura faire mon bon nom dans la société aussi. Et puis, avec moi-même et ma famille. Tu veux? Pas beaucoup. C'est qui est sûr? Attendez que je le gars qui va tomber sur Esther, là. Oh, Yako. En tout cas, parce que vous ne voulez pas dire la vérité. On a les non, mais vous, je veux dire la vérité. Vous me connaissez, vous savez que c'est mon ensemble des définitions. Voilà. En fait, en tant que femme... Moi, j'ai besoin du bonheur, au fait. Mm-hmm. Voilà, je fais une quête du bonheur et tout. Et pour moi, le bonheur, ça se résume à être un sentiment, voilà, de paix intérieure. Donc, en tant que femme, ce que je veux déjà, c'est être heureuse et que mon entourage, quand je dis entourage, famille, amis, soit heureux aussi. Voilà. Ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il soit mon compagnon de vie, au fait. Ouais. Tu vois, qu'il soit empathissant, qu'il soit drôle, qu'il soit ambitieux et qu'il ait la tête sur les épaules. Qu'il soit aussi romantique, attentionné, qu'il soit... La liste au Père Noël, dis donc. Ils existent. Non, je dis pas nous. Qu'il me dise la vérité telle qu'elle est parce que chez moi, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Je préfère entendre la vérité de la bouche de la personne que j'estime qu'il de y mette voir la manière. Derrière, voilà. Mm-hmm. Qu'il soit croyant. Oui, c'est vrai que j'avais oublié ce qu'il ce soit point-là. Croyant, parce que moi, je suis très croyante et tout. Et qu'il ait l'amour de son prochain, quoi. Mm. C'est tout ce que je veux. C'est révélateur, c'est juste hein. Ça. 3 femmes sur le plateau. Il y a une qui a résumé tout en un mot, 2 autres qui ont eu vraiment la litanie des saints. Mais c'était dans ça, là. Tout ça était dedans. Mais justement, c'est ce que je veux mettre en lumière. C'est-à-dire, mine de rien, vous vous retrouvez sur pas mal de notions. Hein. C'est vrai.
mais vous ne l'avez pas exprimé de la même façon. Donc, comprenez qu'un homme... Mais justement, un homme qui est face à une femme, il peut difficilement même s'appuyer sur son vécu parce que la dame qu'il a connue avant avait un ensemble de définitions. Il s'est dit, j'ai intégré. Non, ça fait deux, trois que je connais, elles sont différentes, c'est bon. Il tombe sur une autre qui va l'envoyer sur Mars ou alors qui veut les mêmes choses, mais qui l'exprime différemment. Donc, mais, lui, il comprend Jean-Marc, ça. Tu ne penses pas que c'est aussi le challenge des femmes? De quoi? De savoir tu exprimer. Tu penses que vous êtes tous pareils, vous, les hommes? Non, heureusement. On s'adapte. Mais en général, les hommes, on peut les satisfaire en trois ou quatre points. Hein. Mmh. Ils le disent comme ça, la mais nourriture. Une fois dedans. Je suis sûr qu'ils l'ont dit. Vous le dites comme ça, mais dans la relation, étant dans le couple, vous avez bien plus d'attentes que vous ne le pensez. Non, en fait. Mais c'est juste que nous, on est tellement, je sais pas... En fait, nous, on s'exprime, mais vous, vous intériorisez tout. C'est ça? Ça dépend des hommes, mais oui, c'est vrai. Nous, on s'exprime. C'est pour ça. Et surtout quand il s'agit de vos émotions. Oui, voilà. Mais c'est la société qui nous a formatés comme ça. Ce soir-là, on fait un deux en un. Non seulement ce que veulent les femmes, on tente de répondre à cette question-là, mais on a été gratifiés de la psychologie masculine. Oui. Merci, Boto. On va regarder une petite vidéo et puis on revient tout de suite après. Évidemment, les femmes ne te disent pas exactement ce qu'a recherché l'homme. Tu vois, c'est rare. Hein, vous te dire, oui, il faut qu'il soit gentil, attentionné, etc. Tous les bêtas et tous les gars de la friend zone, okay, ils sont au courant que ça ne fonctionne pas. Hein, être gentil, être attentionné, être à l'écoute, hein, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, les gars, tous les gars de la friend zone, ils seraient pas dans la friend zone. Ce qui attire une femme, c'est un homme qui accomplit des choses, qui fait des choses. Ça va, il est sur la bonne voie, lui. Non, mais c'est ça, au fait. Faut pas donner. C'est-à-dire qu'il faut pas donner les armes à l'adversaire. C'est donc, pas ça. Qui est l'adversaire, là? Hein? Niki, doucement. Ah, c'est révélateur. Faut pas donc... tout dire. C'est révélateur. Là, on est dans une lutte. Ah, on comprend mieux. Nous, on pensait qu'on était dans un partenariat, alors qu'on est en lutte. Non, c'est une partenariat. Il fallait le dire depuis le début. C'est un partenariat, mais tu sais, il faut faire les choses en sous-mêlée. C'est ce qu'on dit chez nous. Je voulais prendre... une image, en m'appuyant sur ce dont tu parlais tout à l'heure, à savoir le chef et autres, on va prendre l'image de la chef de maison, donc la femme, et de son aide ménagère, on dit parfois la servante, d'accord? Des deux, qui accomplit plus de tâches? Qui fait plus de choses? Je dis qui les exécute? C'est la ménagère. C'est la ménagère. L'aide ménagère. On est d'accord. Mais qui est le chef? C'est sa patronne. Au final, qui dépend plus de l'autre? L'aide ménagère dépend de sa patronne. Mais qui dépend plus de l'autre? C'est-à-dire, l'aide ménagère, elle peut partir. Ouais. Tu en chercheras une autre. Ensuite, oui. Mais le jour où elle part, on ne la remplace pas dans la seconde qui suit. Il faut trouver une autre qui soit adaptée, qui soit ceci, qui soit cela. Donc finalement, dans l'exécution des tâches, la chef dépend de l'aide. Vous voyez cette belle harmonie. C'est ça que Dieu crée entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, l'homme est chef, c'est lui qui a l'autorité, mais en même temps, il dépend beaucoup de la femme. Qui exécute plus que lui-même. Voilà. Donc, mais au final, est-ce que l'aide ménagère va finir par dire que c'est elle qui est la chef? Parce que sans elle, on ne peut rien faire. Donc, en fait, non, si la femme part, on la remplace. C'est pour ça que vous avez cette facilité-là. Mais tu as vu jusqu'où tu es arrivé? Je ne voyais même pas là-bas. Et ça, c'est les femmes. L'aide ménagère, même là. Tu ne dois pas faire de telle sorte que tu dépends à 100% d'elle. Ouais, non, oui. C'est pas possible. Mais mine de rien, si. Là, comme ça, le joueur s'en va, là. Mais tu, quand même. Tu sais, comme ça, le joueur s'en va, tu sais comment te défendre. Et puis, on dépend d'elle parce qu'on a d'autres activités. Sinon, c'est pas comme si ce qu'elle fait, là, on ne saurait le faire. Donc, c'est juste que quand elle part... Ça te bloque, ça crée un vide, voilà. Tu es obligé de t'organiser différemment. On peut se passer de vous, souvent. Non, tu peux pas dire ça. On peut se passer de vous, souvent. Ah, vous voulez me trahir. Non, c'est comme ça que vous aimez, garçon. J'aime la solidarité féminine. Allons-y. Non, on peut se passer de vous. C'est-à-dire. C'est parce qu'on vous aime tellement que. Merci. Merci de nous aimer. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça. Ouais. Vraiment, on salue le sacrifice à un niveau incommensurable. Merci. Les femmes sont très promptes, très aptes à limite juger, sinon condamner. Pourquoi? Tout à l'heure, tu faisais allusion au fait qu'on attend ça de l'entendre. Et lui, il ne comprend pas. Il suffit qu'il ne fasse pas pour qu'on généralise le cas. D'où le fameux « tu ne m'as jamais donné 5 francs ». Le seul jour où tu as demandé qu'on ne te donne pas, tu n'as jamais donné l'argent.
Le seul jour où tu... Donc, je veux avoir telle chose... Tu, toi-même, pour m'offrir des cadeaux, c'est toujours... Toujours. Jamais. D'accord. Hein? Ça, c'est un abus de langage. J'ai on dit le que dit juste quand tu fais de la colère. Avant de répondre, on va partir à la pub et puis on revient. Et prompte à juger. Oui, et prompte à juger. Jean-Marc, déjà, je te demande pardon au nom de toutes les femmes. D'accord. Quand on dit tu n'as jamais fait, tu n'es que méchant, tu es ci, tu es ça, c'est le langage féminin, on est juste en colère, on extrapole pour te dire qu'on aurait voulu autre chose. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Enfin. D'accord. Et donc, tu parlais aussi, donc, en plus de ce souci de reconnaissance, il y avait l'autre point, c'était le jugement. Le jugement. Le jugement. Ouais. Tu sais, les femmes, pourquoi elles vous reprochent de ne pas être aussi prévenant que ça? Nous, on essaie chaque jour. C'est-à-dire, c'est comme si notre mission... au quotidien et de faire plaisir à notre homme. D'accord. C'est comme si on est en cogitement perpétuel. D'accord. Ce qui fait qu'on a tendance à ne pas se planter, je le dis sous réserve, à ne pas se planter et on fait beaucoup d'actions au quotidien, beaucoup de choses qui deviennent finalement le quotidien, la nature, la norme. Pendant ce temps, l'homme, lui, programme ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, lui, considère que il paye la maison, il donne l'argent, il fait ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il doit faire comme geste un jour pour lui faire plaisir, c'est, je sais pas, c'est séquentiel. Une fois par mois, il va faire ci. Pendant qu'elle, elle le fait chaque deux heures. Et puis, parce qu'on va se contenter de ça, au fait. C'est pas possible. Alors que nous, on se consacre à la cause de ton épanouissement, de ton bonheur, de tout. C'est-à-dire, il allait au travail, il a des dilemmes, des challenges. Il faut que quand il rentre... Vous venez, on fait. On fait. Et tu, vous pensez même que... On fait quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait? On fait tout. Oui, ressources. Il y a des choses qu'on fait pour vous, là. Vous pensez que c'est parce qu'on aime. Vous pensez que c'est parce qu'on est comme ça. Mais non. Ça, alors. Et nous, on ne vient pas s'asseoir pour vous dire, en fait, que ça, là, tu n'as jamais su. Hein. Mais je n'ai jamais aimé ça. Oui. Je n'ai jamais aimé ça. Souvent, vous le force. Vous faites. Et donc, le problème, c'est quoi? Les sacrifices que vous faites, là. Vous considérez tellement qu'il y en a qui révèlent de votre... devoir, et que vu que vous remplissez ces points-là, c'est bon. J'envoie ma femme en voyage chaque été. Une fois par mois, on va au restaurant. Voilà maintenant, lui, ce qu'il représente, considère du moins être ce qu'il fait pour elle parce qu'il l'aime. C'est là qu'il y a problème. D'accord. Pendant que nous, on se donne chaque jour. C'est pour ça qu'il y a... comment tu l'as appelé déjà? Quoi? Le jugement. Voilà, il y a ce problème de jugement où tu as l'impression de donner plus que tu ne reçois. D'accord. Pardon encore une fois pour ça, mais j'espère que tu as pu comprendre. Oui, je comprends. Le problème là, c'est que nous, les femmes là, nous avons besoin d'attention constante. Constante, comme on croit en donner. C'est-à-dire que du début. On croit en donner. Merci. Comme on croit en donner. D'accord. Du début jusqu'à la fin là, vous devez être là comme ça. Donne-nous d'eau. C'est ce dont on a besoin. C'est là où l'homme va vous dire, mais. Vous pensez qu'on n'a rien d'autre à faire? On a d'autres choses à faire aussi. Non, on revient à la nature de base de l'homme. On a dit quoi tout à l'heure? L'homme est séquentiel. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il est dans une tâche, pour s'en sortir et faire une autre, il faut qu'il finisse la première. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression qu'il ne le fait pas. Mais l'homme va vous dire, mais quand je suis au travail, tu ne sais pas à quel point est-ce que je me tue en pensant à comment est-ce que je vais te faire plaisir. Justement, tu vois, c'est ce que je disais. Tu vois, oui, je comprends. Comment remplir son droit d'homme? Il est tellement dessus, c'est ça, qu'il ne s'intéresse pas aux autres choses. C'est mais ça. Le problème, c'est que la nature, l'être humain, a muté, a évolué. Nous, les femmes, sommes devenues comme vous aussi. C'est ça aussi. Et sommes amenées à faire les mêmes, atteindre les mêmes challenges professionnels et etc. Tout mais en on conservant ne doit pas ce truc-là. Perdre encore. De vue notre nature de base. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de dire qu'on a l'impression d'avoir beaucoup plus à faire et même à donner au quotidien. Que les hommes.
beaucoup plus, je ne sais pas, peut-être tout autant. Dans les tâches, même psychologiquement. Oui, dans la réflexion, dans les actions. Peut-être tout autant. Dans l'exécution, dans l'attention. Après, est-ce que ce n'est pas lié à l'environnement, à la culture peut-être locale? Parce que si on se met dans le contexte européen, ils ne peuvent pas se permettre, enfin ils ne sont pas très nombreux, ceux qui peuvent se permettre une aide ménagère. Donc l'homme est obligé parfois d'aller chercher les enfants à l'école lui aussi. Il est obligé de prendre soin du petit dernier et lui donner son bain pendant que la maman est en train de préparer. Parfois, on fait vice-versa. Et pourquoi si de suite. C'est vrai aussi que c'est très différent. Il ne peut pas dire, il ne peut pas se cacher derrière. Je comprends. Mais pourquoi tu présentes ça comme une sorte de je ne sais pas, c'est que vous êtes de sacrifice. Non, pas sacrifice. Mais on va aller pour une bosse. Non, pas sacrifice. Dans le sens, en fait, c'est juste parce qu'il y a l'idée de. Ce n'est pas la tâche de l'homme. Donc, c'est pour ça que je dis obligé. Oui, attends d'abord. Inbox. Alors Jean-Marc, certes, tu n'as pas trop suivi, hein, elle a lancé la rubrique Inbox. Oui, je n'ai pas compris. En fait, il me traumatise tellement même que... Quel bon épée, venez là, je suis pardonnée, je suis fatiguée. Cette rubrique-là, on reçoit juste des messages, des vidéos de nos spectateurs qui nous regardent. Et puis, je pense qu'on a reçu pas mal. Hein. Aujourd'hui, on va les regarder là ensemble tout de suite. Et puis, on va passer pour une vidéo, donc on regarde. Allô? Alors, on m'a posé la question de savoir qu'est-ce que veulent les femmes. Alors, moi particulièrement, ce que je voudrais, c'est un travail. Tu vois, en fait, travailler dans ta passion, photographie, cinéma, et qui soit très très bien payé. Comme ça, au moins, ça justifie tes nuits de veille et compagnie. Donc, un bon travail avec un bon salaire, la première des choses. Ensuite, la... deuxième des choses que je voudrais, c'est d'avoir un homme qui partage ma passion. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que de pouvoir parler de ce qu'on aime et de faire les choses qu'on aime avec la personne qu'on aime. Donc en fait, c'est doux plaisir, je vais dire. Ensuite, la dernière chose que je voudrais... c'est peut-être de pouvoir voyager. De pouvoir voyager, d'être utile à ma communauté. Moi, je pense que ça m'épanouirait bien. Au final, cette question-là, ce que veulent les femmes, je trouve que chaque femme est différente et puis chaque femme veut quelque chose de différent. Donc, parce que vraiment, moi-même, je me l'ai rajouté, je veux l'agenda pour moi, là. Les filles, moi, je remarque autre chose. Si c'était un homme, il allait être plus libre de dire certaines choses. Mais comme la société dit que la femme doit être d'une certaine droiture, elle ne doit pas aller dévier de certaines choses, elle n'a pas eu le courage de dire d'aller un truc là. En profondeur. Moi-même, tu vois, je regarde comme ça, mais j'ai du mal Tu restes sur ça, que les femmes, on se comprend. Oui, voilà. C'est non, mais c'est ça que vous l'avez dit là. En fait, vous êtes dans la métaphysique, hein, là. C'est un langage qui nous passe au-dessus du cerveau. Mais tu vois que le problème, moi-même, j'arrive pas à dire. Mais nous toutes, on a vu. En fait, elle ne pouvait pas trop parler. On voit plus loin que vous. Mais en fait, c'est ça le problème. Et c'est là où on revient à la compassion ou à. Oui, à la compassion, c'est-à-dire, si vous êtes d'accord qu'on ne comprend pas ce que vous dites, comme vous l'exprimez, vous pouvez vous dire, ah, il ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute. Non, il doit comprendre. Voilà là où le problème naît. Non, c'est dans ses gènes, il doit comprendre. C'est comme si je te disais, mais soulève les deux sacs de riz, la mets sur ton épaule pour monter, tu as deux pieds comme moi, deux bras. Quand je te regarde là, j'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour dire soulève les deux sacs de... Quand je te regarde dans mon regard là, tu dois soulever les deux sacs de... Bon, vous savez quoi, on va y aller pour une autre vidéo. La question du jour, c'est ce que veulent les femmes. Et pour répondre à cette question si simple et à la fois compliquée, je dirais ce que veulent les femmes, c'est la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Tout simplement que les hommes nous donnent la paix et nous lâchent la grappe. Voilà. Namasté. Namasté. Voilà un point où nous nous rejoignons au moins. Tu vois que la réponse est généralisée. Parce qu'on ne peut pas bien dire les choses. Ne pas dire trop. On en revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là. Les femmes sont trop limitées. Si elles le font, ce serait comme paraître pour une femme légère.
Mais non. Parce que je sais ce qu'elles veulent dire. Allons-y. Ce qu'elles n'ont pas osé dire. Un petit exemple. Non. Ça me retombera dessus. Je ah sais oui, pas. Les choses de la légérie. Oh là là. Les choses d'un homme capable. Les choses d'un homme capable. Oui, les choses de grosses voitures et de grosses villas. Les choses de voyage. Oh Seigneur, ayez pitié des hommes. Vraiment. Ça va loin cette histoire. Oui, oui, ayez pitié des hommes. Vraiment. Mais c'est vrai. Hein. En gros, même les grosses voitures, les oui. C'est vrai qu'on parle là. Pour la paix. Franchement. Tout ça, c'est pour la paix. C'est vrai, Jean-Marc, qu'on parle très souvent de ce que veulent les femmes et vous, les hommes. Vous voulez quoi? Vous voulez Oh, nous, c'est assez simple. Oui. Je pense que c'est assez simple. Et les concepts, c'est peut-être là la différence. C'est qu'on arrive à mieux définir les concepts. L'homme veut, d'une femme, hein, hormis le fait qu'elle ait l'apparence qui lui sied, il veut qu'elle soit soumise. Attentionnée. Ça, je l'entends très souvent. Oui. Ouais, okay. Soumise, attentionnée. Qu'elle s'occupe de ses désirs, très souvent ils sont primés. Hein? Quand c'est manger. Très souvent, ça, là, mais tu et les désirs ça, le en dessous de la ceinture. Et c'est à peu près tout. Jean-Marc, ça, c'est une femme. Tu devais mettre ça en premier. C'était parce que c'est comme vous voulez. C'est les deux femmes qui sont passées là, elles disaient ah, les femmes, ton premier point c'était le physique. Mm-hmm. Je dis, hormis ça. Oui, bien non, sûr. Mais, parce que l'homme vient vers une femme qui lui plaît oui, d'abord. Non, mais bon. Il est dans le regard. Quand on commence à donner des critères physiques, on nous parle de, je ne sais pas moi, surréalité. Toi, non, tu cherches pourquoi? Le plus charmant. Tu penses que toi, quand une femme s'assoit et qu'elle dit non, je veux un homme qui est grand, qui est ci, qui est ça, qui est beau, qui est parfumé, c'est qui tout sent suite bon. Mal vu. Non, mais pas vous, du tout. Non, c'est pas vrai. Ce qui est mal vu, généralement, c'est son attribut direct, là. C'est-à-dire, il est grand, beau, intelligent, classe, il sent bon. Mais et en plus, il a beaucoup d'argent. Mais tu n'as pas donné tes critères à toi. Sinon, quand tu dis au-delà des attributs physiques, des atouts, là, c'est la même chose. Non, c'est-à-dire, non, ça, c'est normal. Personne ne va condamner. Personne ne va condamner une femme qui dit non, moi, je voudrais qu'il soit grand, qu'il soit. La partie. Je fais une vidéo toute seule. C'est là où je donne les critères. C'est là où tout à l'heure, en fait, tout le monde va me critiquer. Satisfaire ses désirs. Et t'as dit en bas de la ceinture. Mm-hmm. Nous, on dit là, par exemple, si une femme le dit, c'est très mal vu. C'est peut-être, ça. Après, c'est la société. Mais c'est tout ça que je te dis. Après, c'est la société. Non, un homme qui me satisfait sexuellement, c'est ça? Oui, mais ça, on le sait et tous. Et ça, c'est bien dit. On a une manière même de voir oui, ça. Oui, et après, même quand tu as une femme qui n'est pas mariée et tout, qui est un homme qui te satisfait, bon, ou plusieurs hommes et tout, bon, on te traite de... Après, on ne peut pas se départir de ce que la société a créé. Ça va prendre du temps. D'accord, ça va prendre du temps. Il y avait des moments où le droit de vote n'était même pas attribué aux femmes. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. Mm-hmm. Donc, ça évolue avec le temps. Mais comme je dis, il faut pouvoir définir les critères de manière compréhensible pour nous. C'est de la communication. Ça ne sert à rien que je me mette là à aligner les termes savants si vous ne comprenez pas ce que Mais je suis en train de dire. Mais ça veut dire qu'avec le temps, là... Oui. Vous allez apprendre à nous connaître. Et moi, ce que ça fait déjà combien de siècles que le monde est monde, on est toujours sur la même question. Mais est-ce que tu penses qu'avec le temps, l'égalité homme-femme, ça va vraiment aboutir? Non, ça ne va pas aboutir. Okay. Je pense qu'on a encore des millions d'années là-dessus. Les premiers messages, s'il vous plaît. Parce que ce débat-ci, on ne va pas se sortir. On a coucou le club. Je suis ravie de pouvoir vous écrire et aussi vous dire que j'ai aimé votre émission d'aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai beaucoup de mal à m'accepter parce que j'ai des acnés sur le visage. Et c'est un véritable problème pour moi. Parfois même, j'ai peur de sortir et j'ai peur du regard des autres sur moi. Mais votre émission d'aujourd'hui m'a un peu aidée. Alors, j'espère pouvoir surmonter tout ça un jour et me sentir belle comme vous. Je vous adore toutes. Bisous. C'est beau. C'est tellement beau de recevoir ce genre de messages comme ça, ça motive. Ouais. Oui. Mais Working Woman, je n'aime pas l'émission Le Club, mais j'adore. J'ai eu peur, maman. Plus parce que c'est une émission qui est plein d'amour, conseils et surtout de l'élégance. J'ai un point faible pour Esther. Oh, c'est mignon. Je l'admire énormément, j'espère lui ressembler dans le futur. Et dis donc, merci et continuez ainsi. Que le Tout-Puissant bénisse Live TV, que Dieu vous protège, Maester. S'il te plaît, ne tombe plus malade. Amen, amen. Encore, je t'aime. Soumis de Yam Soukro, bonne suite d'émissions à vous. Vive Live TV. J'espère te revoir un jour dans la vraie vie. Oh. C'est très beau. Oh, wow. Très, très beau. Thank you. Ça a 17 000 émoticônes quand même. Oui. Hein.
17 minutes. Ah, c'est une femme. Voilà, ouais. Les femmes sont dans l'expression. Et voilà, merci, ça me touche énormément. Et puis, t'as pas besoin de me ressembler, t'as besoin de devenir une meilleure version de toi-même. On va commencer à nous comprendre là. Il faut voir ces signes-là. Parce que quand on met les émotions, c'est qu'on est contente. Quand on ne met pas, c'est qu'il y a Gbangba. Il y a un message, Antonella, là, il y a un message. Oui, voilà, on va passer au prochain message. Donc, coucou les tatas, moi c'est Chabi Ange Maureen. J'adore beaucoup l'émission Le Club, avec plein de smileys. Et je vous aime, mes tatas, en particulier tata Estelle. Estelle, je vous aime, vous êtes mon idole et j'adore regarder l'émission animée par vous. Bisous. Bisous. Oh, c'est beau. On vous embrasse. Désolée, le dernier, on va lire le dernier quand même. C'est mignon. Il y a un dernier message. Le dernier message. Ouais. Ah, c'est une photo. Oh, elle est belle. Salut la Mifa du club. Moi, c'est Miss Mabé Rachel. J'adore d'abord Life TV et l'émission. J'aimerais participer un jour, s'il vous plaît, Tata Lucu. Oui. Et regardez ses yeux. Que tellement mignonne que vraiment. Elle est très belle. Hein. On va voir comment te faire participer. Elle s'appelle Rachel. Faites-nous des propositions de thèmes, oui. Rachel. Voilà, Jean-Marc, des choses que tu as eu à connaître dans la vie. Et puis, on va voir ça. Jean-Marc Chou, qu'est-ce que tu penses de nos CP et des messages qu'on reçoit? Je suis admiratif parce que ça prouve que ce n'est pas qu'une émission. C'est vraiment une salle de thérapie pour femmes. Ah, c'est sûr. Voilà, ça permet, à vos téléspectatrices de gagner en confiance, de s'assumer, de vivre pleinement leur féminité. Et ça, c'est très bien. Ça, on le voit à travers les messages. On applaudit, on fait du bon boulot. Oui, vous faites du bon boulot. Mais on part pour la pub et on revient juste après. On danse ici. Le choix des musiques, allez-y. Là, c'est pour ça qu'il ne danse pas. Jean-Marc Chou, aujourd'hui, on va danser. Mais il ne va pas danser sur Rihanna. Il va danser. La régie, il va faire ça. Mais j'ai dit que mettez la chanson. Allez, c'est bon, la tête. Jean-Marc Chou. Personne n'est Jean-Marc. On y va. Qu'est-ce qu'on danse? Il y a longtemps que je ne danse plus. C'est comme ça, on se parle en boîte. Je vais pas en boîte. Saga, she know one me. She talks, so she know one me. Personnalité. Sur le plateau du club, on a compris ce que les hommes veulent, mais on part pour le budget serré et on revient. On peut bringuer comme ça, Jean-Marc Chou. Mais ça, ça sent les bringages de clubbing. Hein. On le voit de temps en temps. Je te dis, la vie cachée son jeu. Il y a dit que les gars qui parlent toujours les gros français là. Attention, ce sont les plus dangereux. Et cette semaine qui est passée dans le budget, c'est... Voilà, je pense que c'est bien moi. Donc, cette fois-ci, mon thème, c'était donc inviter à un mariage. Et puis, on va regarder, on va débriefer juste après. Hello, hello, nous sommes de retour pour un nouveau budget serré. Donc cette fois-ci, mon thème sera un peu compliqué. Je suis invitée à un mariage, il va falloir que j'assure au maximum. Mon défi du jour sera d'intégrer la couleur bleue dans ma tenue. Donc on fera de notre mieux, on n'aura que 12 000 francs cette fois-ci. Donc on va accélérer et puis on y va, on verra le look final à la fin. A tout à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour Miss. Allô. Ça va? Ça va, hein, chez vous? Ça va, merci. Oui, il y a les merveilles pour toi. Hein. C'est joli, hein, ça? Oui. C'est combien? C'est pas cher, c'est 10 000 seulement. C'est pas cher? Oui. Je trouve que c'est cher. Non. On ne peut pas diminuer? Si, on va diminuer, c'est en pharmacie, on ne diminue pas. Mais combien comme, combien comme celui-là? Comme c'est toi, il faut prendre à 8 000. C'est cher. C'est bon. Et j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 12 000 pour faire un look complet. Donc, si je prends 8 000 pour payer ça, là, j'aurai plus l'argent. Toi, tu es sympa, hein? Non, on fait laisser à 2 000. 2 000? Non, c'est pas bon. Pardon. Monter un peu. De monter un peu? Oui, 7 000, c'est un bon. Un peu seulement. 7 000, c'est 3 000, bon. C'est bon. Non. Bon, on finit 4 000. 4 000, c'est bon. Donc, si tu es descendu jusqu'à 4 000, là, tu peux laisser à 3 000. Non, ça ne m'arrange pas du tout. Pardon, il faut laisser à 3 000, je vais prendre. Tout est cher maintenant. Pardon, hein. Et puis tu laisses à 3 000, comme ça la prochaine fois, c'est sûr que je tiens. J'espère que tu vas revenir. Hein? Bien sûr que je vais revenir. En plus, tu es sympa, tu es jolie, tes affaires sont jolies. Donc je vais venir. Merci. Ça marche. Ok, 3 000. Prochaine. Merci, au revoir. Donc voilà, hein, j'ai trouvé une petite veste super sympa, comme je vous l'avais dit, à seulement 3 000 francs. Donc il va me rester 9 000. On va essayer de faire un grand effort pour trouver le look complet. Donc c'est parti.
super, je prends ça. Ça me va bien, j'aime bien. Ok, j'ai trouvé mon petit chapeau bleu. Donc, vu que je devais intégrer la couleur bleue dans ma tenue, donc je pense que ça fera l'affaire. Là, on y va pour les chaussures. Bon, d'accord, super. C'est 39, non? Oui, c'est 39. D'accord, donne-moi. Je vais prendre ça. Donc voilà, hein, j'ai trouvé des chaussures, mon chapeau. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelques petits accessoires, si je n'ai pas bien trouvé. C'est pas bien grave. C'est combien? 1100 francs. On ne peut pas laisser à 1000 francs? Ça marche, je vais prendre ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, au revoir. Donc voilà, il va me rester 1000 francs. Je vais essayer de trouver une petite pochette. Donc j'espère trouver un truc bien. Suivez-moi. Non, c'est bon, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, c'est 1000 francs, non? Ouais, je vais prendre ça. Donc voilà, pour mon budget serré du jour, j'ai eu tout ce que je cherchais, donc je suis satisfaite. On verra le look juste après, donc à tout à l'heure. Voilà donc le look final de ma tenue. J'étais invitée à un mariage, c'est donc le thème, et j'ai opté pour du blanc. Donc vous savez que j'adore le blanc, bien sûr, les chaussures transparentes qui reviennent encore et encore et encore, et mon petit chapeau bleu vu que je devais intégrer le bleu dans ma tenue avec ma petite pochette toute mignonne que j'aime beaucoup et le collier qui se marie avec. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. On se dit à la prochaine. Où sont passés les smileys? Antonella, on n'a pas l'occasion d'expliquer le fait qu'on d'accorise. Non mais bravo. Merci. Tu sais, Jean-Bac, dans cette histoire de budget serré là, moi-même j'ai abandonné. Parce que celle-là, là, dans les choses de la frustration ici. Esther même est revenue même à ce fait double frustration. Je n'ai même pas encore fait de budget serré. Mon prochain budget serré là, vous allez me voir en train de faire marcher. On attend de voir en tout cas. Marcher de sauce graine. J'ai aimé. Donc oui. Voilà, c'était tout pour mon budget serré. Donc j'espère que vous aurez aimé. Et puis, envoyez-nous plein de messages comme ça. Et plein de commentaires. Ah, sur 10, je donnerai un 9,50. Ah, quand même. Merci. C'est bien. C'est bien. Moi, j'ai été surtout épaté par le fait de passer de 8000 à 3000. Voilà. Pour m'acharner. Est-ce que vous savez que le CP même sont fâchés contre nous? Parce qu'on a dit que décembre arrivait. Que l'argent va diminuer. Pardonnez, on ne diminue pas l'argent là. Parce que souvent, on a besoin d'être aussi chic. Voilà, ça dépend de toi aussi. Hein, budget serré, là, mais les hommes ne doivent pas regarder. Alors, mon poteau, on est contente de t'avoir avec nous. Ouais. Ce que veulent les femmes. Est-ce que tu as progressé dans ta quête? Par rapport à ce que veulent les femmes? Oui. Oui, un petit peu. Un petit peu. Dieu merci. Mais c'est vrai que c'est un travail quand même au quotidien. Hein, et on s'améliore et on se situe mieux quand on arrive à vous écouter. Quand on arrive à vous entendre. Vous avez la patience surtout. Non, quand parfois. Oui, quand on a la patience. Vraiment, quand vous parlez, parfois, on a l'impression que c'est des concepts plus que des termes. Elle dit un terme, toi, tu penses que tu as compris, mais c'est pas ce sens-là. Non, c'est un sens beaucoup plus profond. Ayez pitié de nous. Nous sommes des casiglots. Vous êtes des smartphones. Pardon, parlez le langage casiglot. On va avancer. On va faire un effort. Merci. Tu vois, quand je t'entends comme ça, je comprends que là, il s'agit vraiment de communication. C'est ça. Donc, le problème. Ce sont les hommes qui n'aiment pas communiquer. Là, en moins d'une heure, on a échangé avec des femmes dont tu n'es pas amoureux, avec qui tu n'as pas de complicité, mais tu en es déjà parvenu à quelque chose. Ah, c'est peut-être ça aussi qui fait. Il faut arrêter de généraliser la notion de la femme. On va dire ça comme ça. Chaque femme est différente. Tu as ta partenaire. Assieds-toi, échangez, soyez des amis. C'est vrai que je disais tout à l'heure que moi, je recherche un homme avec qui je serai amie. Soyez des amis, échangez très souvent. Et ne parlez pas que d'elle, de ses attentes, parle aussi de toi, comme tu l'as fait. Aujourd'hui, on est venu parler de nous, tu peux parler de toi finalement. Oui, oui. Et je suis sûre que comme ça, tu t'érigeras pas vers ces hommes-là, vers cette tendance à dire qu'on ne comprend pas la femme. Toi, tu auras compris en tout cas ta partenaire. C'est ça. Mais Esther, tu as soulevé un point qui est peut-être capital dans cette affaire. Tu as dit, il n'y a pas d'amour ou de sentiment amoureux. C'est peut-être ça qui facilite la communication. C'est ça, parce que quand tu sors avec les femmes, pour la plupart, quand vous n'êtes pas amis, communiquer là, c'est très compliqué. Au fait. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est ça. Il y a beaucoup d'émotions. Et les émotions faussent le message. Quand tu as envie de lui dire, par exemple, que tu as fait ça, je n'aime pas et tout,
tu réfléchis à la manière de lui dire, mais tu ne sais pas comment tu vas lui dire sans le vexer. C'est exactement. En fait, c'est ça, parce qu'on cache, en fait. C'est ça. On ne dit pas les choses comme on le ressent. Telles qu'elles sont. Exactement. Moi, j'ai l'impression que les hommes n'arrivent pas à comprendre les femmes parce que les femmes n'arrivent pas à s'exprimer et que les hommes n'arrivent pas à communiquer. C'est bien résumé. C'est pour ça qu'il faut travailler tous sur nous-mêmes. C'est les hommes doivent travailler sur eux, les femmes aussi doivent travailler sur elles. Exactement. C'est un effort qui mutuel. Mutuel. C'est ça. Voilà. Parce que on a... c'est la conclusion. Non, bravo. Non, mais un dernier de mot. Ouais. Mon mot de fin, ce serait d'abonder dans ce sens-là. Pour moi, ça résume tout. C'est vraiment la communication, l'entente, beaucoup de patience. Oui. Voilà, l'amour, parce que bon, on a bien compris, c'est des relations hommes-femmes dans le sens amoureux. L'amour doit se nourrir de beaucoup de patience. D'empathie surtout. Beaucoup d'empathie, tu as raison. Il faut pouvoir prendre, digérer et puis restituer. Parce que quand on veut rendre tout de suite avec les émotions, parfois ça part dans tous les sens. Donc voilà, je pense que c'est des valeurs qu'il faut qu'on cultive à tous les niveaux. Et puis l'homme et la femme vont s'entendre à ce niveau-là. Merci notre poteau, merci pour tout. Thank you, les amis, vous l'avez remarqué, nous autres qui parlons tout le temps, là on a les mots, mais aujourd'hui ça a été très difficile de s'exprimer. On a eu du mal parce que c'était une colle qu'on nous imposait. Parler de la femme au sens général, c'est difficile. Chaque femme peut parler d'elle-même, mais ne peut pas réussir. Je ne saurais décrire le comportement d'Antonella, encore moins celui de Nikki. Et donc, les hommes, si vous voulez comprendre les femmes, essayez de comprendre celles qui vous entourent et de manière singulière. C'en est fini pour aujourd'hui. On a passé un excellent moment avec notre photo Jean-Marc. Et puis, on va demander à la régie de mettre un autre son, là. Parce que la danse qu'on a vue tout à l'heure, là, on veut la revoir. On a besoin de voir une phase de clubbing, là. Et puis, à très bientôt pour un nouveau numéro du club. Entre temps, on va casser la baraque. Merci. Au revoir. Like numbers. Kids kill people. Get down. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.